Moi, je souhaite aussi que chaque partie de la France garde ses traditions, qu'ils sont propres, ses patois. D'un même coin, j'ai. Alors, le chémi, c'est plutôt un patois qu'un nank. Mais non, mais voilà, c'est sérieusement, chaque partie de la France, chaque territoire, chaque province ou chaque entité a ses particularités qu'il faut maintenir. Ce qu'on appelle les patois ou les langues régionales, ça dépend un peu. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus fort, des endroits où ça n'existe pas. Mais c'est important de maintenir cette diversité tout en faisant passer d'abord l'intérêt national.